je vous présente la Roomba. La Roomba est pour les personnes qui vivent en ville parce qu'ils ont beaucoup à faire. Incroyable. Avec la Roomba, vous pouvez maintenir un propre sol tous les jours. C'est le futur de l'aspirateur. En premier, je vais vous montrer la conception de la Roomba. Alors, ici, vous pouvez voir que la Roomba est très, le plus compact et portable que des autres aspirateurs. Ici, il y a un bouton pour assigner un temps spécifique à nettoyer la sole. Le sol. C'est très commode. Et ici est un bouton pour se charger. Ici, vous pouvez commencer la Roomba avec ce bouton. Oh. Wow. Wow. Oh. J'adore. Fantastique. Alors, la Roomba est moins difficile que les autres aspirateurs à utiliser. Merci. La Roomba aspire la salle de la salle. La Roomba a aéroforce nettoyant technologie et la hache est pour un filtre. La Roomba alors le passe et passe navigation en la maison. La Roomba est entrée efficiente et la Roomba a un docking system. La Roomba est entrée portable et entrée efficiente. La Roomba est plus utile que les autres outils de nettoyer. Parce qu'elle est automatique, elle est très facile d'utiliser. Il utilise seulement une presse de la bouton. Parce que pour les personnes avec moins de temps, c'est un investissement bon. Parce que, par exemple, les personnes dans la vie. Elle est la meilleure aspirateur automatique. Elle a moins de problèmes que les autres aspirateurs automatiques. Par exemple, elle est très compacte. Elle est plus de compacte que l'aspirateur Nitto, une autre aspirateur automatique, parce que elle a la capacité de nettoyer sous les meubles. Aussi, elle est très compacte, donc c'est très utile pour les personnes dans la ville. Il utilise un appartement il habite un appartement et il a moins d'espace, c'est très utile pour ces personnes. Alors, la Roomba est le plus futuriste des autres aspirateurs et la Roomba est le plus efficace des autres aspirateurs et la Roomba est le plus facile à faire fonctionner des autres aspirateurs.
et c'est le moins cher que des autres aspirateurs. C'est le son pour. Great, man. Yeah, they're on. Ah, yeah, that has to be plugged in. There we go. Reduce the volume. Je vous présente. Facile à faire fonctionner des autres aspirateurs. La roomba est le plus efficace des autres aspirateurs aussi. Elle est le moins cher des autres aspirateurs. Le prix commence à $400 et arrête à $700. La Roomba est le plus portable et autre aspirateur. La Roomba est le plus futuristique des autres aspirateurs. Alors, la Roomba est le choice meilleur pour vous. Oh. Alors, les questions de l'audience. Durian. Qui veut poser une question? La roomba est faite dans des autres couleurs? Non. Non. C'est gris et noir, mais beaucoup de couleurs est une bonne idée. Combien de temps est nécessaire pour charger la pile? Le temps pour charger et prendre 3 heures à 6 heures. S'il n'y a pas de charge, il peut prendre 7 heures aussi. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de la Roomba? Le modèle de la Roomba est en oui, il y en a des 4 modèles. Le bon marché n'a pas beaucoup de fonctions spéciales, mais le plus marché a des fonctions spéciales. Keep going. Alors, j'ai une question. Mathieu, combien est-ce que ça coûte la Roomba? Combien est-ce que ça coûte? Quel est le prix? Tu sais? Oh, la Roomba est en très expensive et en très petite, le moto est en 20. Le très expensive motor est en fonction spéciale active. D'accord, merci. Une autre question pour Rachel? Oui, ajoute. Bien sûr. Le cher modèle est $700 et le bon marché modèle est $400, mais il y en a deux modèles qui sont $500 et $600 aussi. D'accord, merci. La Roomba, non. La Roomba est en électronique, non intérieur. Mais nous avons un autre modèle qui peut nettoyer l'eau. Combien de temps est nécessaire pour charger la pile? Oui, Rachana, tu peux répondre à cette question?